avec Sébastien Joseph, le coach du DFCO. Deuxième victoire consécutive pour votre équipe, à nouveau 2-0. Est-ce qu'on peut dire cet après-midi que le maintien est officiellement acquis ? Oui, pour le maintien, je pense que déjà la semaine dernière, c'était un grand pas qui était fait. Quand il reste que 5 journées, quand on voit le calendrier des autres équipes, je pense que le maintien était fait. Maintenant, nous, notre objectif, il ne se situe pas à ça. On a cet objectif d'aller chercher la 8e place. Donc, on savait qu'on allait chercher le maintien la semaine dernière. On devrait avancer au niveau de la 9e place aujourd'hui, parce qu'on prend 4 points sur Guingamp, plus le goal average direct. Donc, ça fait 5. Et pour aller chercher la 8e, il faudra aller chercher le Havre. Et voilà, après le match de Paris, on aura cette confrontation contre le Havre qu'on attend pour dire vraiment d'être dans nos objectifs. Et sur la performance de vos joueurs cet après-midi, coaching gagnant en plus avec Rose Lavaux, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Ben surtout qu'on fait une première mi-temps où je pense qu'on peut mener plus, on doit être récompensé davantage, on a manqué de réalisme. Après, sur la deuxième période, on marque sur un moment où on n'est pas forcément dans un temps fort, mais je dirais dans notre temps faible, on a su rester solide. Et puis, ça nous fait très plaisir pour Rose parce qu'elle est souvent très efficace à l'entraînement. Il lui manquait un petit peu ça en match, donc forcément, ça nous fait plaisir pour elle. Et ça montre qu'on a aussi de la profondeur de banc et que tout le monde dans cet effectif apporte sa pierre à l'édifice. Ça, c'est extrêmement important. Merci Sébastien. Merci à vous. Avec Rose Lavaux, buteuse cet après-midi. Rose, le maintien, il est maintenant officiellement acquis pour votre équipe. Oui, déjà le week-end dernier, on avait fait un grand pas pour se maintenir. Et là, on a je pense que là, c'est bon, on est maintenu. À titre personnel, votre réaction sur votre entrée et le but juste après ? Je voulais rentrer pour faire la différence et pour mettre en gros l'équipe à l'abri, et ça a été le cas, donc je suis très contente, sachant que ça faisait longtemps que j'avais pas marqué, donc double satisfaction. Merci Rose.